Bonjour à tous. Alors, je fais une courte vidéo pour vous parler de l'artémisinine, l'armoise, l'Artemisia annua. Il faut bien faire attention, c'est Artemisia annua, parce qu'il y a d'autres sortes d'Artemisia. Voilà, bon, ça coûte pas très cher. Et pourquoi je vous parle de cette plante, donc l'artémisinine, Artemisia annua, c'est parce que là, nous avons un article sur SOT, Sign of the Times, qui nous dit que l'artémisinine est un très puissant anticancéreux, donc pour les tumeurs. Donc je vous mettrai le lien vers cet article qui est pas très long et qui nous parle de chiffres, donc d'une part pour le cancer du poumon, qui peut tuer 80 18% des cellules cancéreuses du poumon en moins de 16 heures. Alors il faut le combiner avec le fer. Et justement, là, je vous ai sélectionné ce produit. Justement, vous voyez qu'il y a 5% de ferrine. Donc j'imagine que c'est du fer. Donc je pense que c'est un produit efficace contre le cancer. Et dans l'article, il nous parle aussi donc du cancer du sein. C'est ça, un taux de 75% de destruction du cancer après seulement 8 heures et presque 100% de taux de destruction seulement 24 heures. Alors il faut savoir que l'artémisinine est aussi un antipaludéen. Voilà. Et donc en conclusion, de nombreuses expériences ont été menées jusqu'à présent. Et elles ont toutes prouvé que l'artémisinine combinée avec le fer pouvait effectivement détruire le cancer. Donc voilà, enfin, moi personnellement, j'ai pas testé le produit parce que je suis pas malade. Mais voilà, si ça peut intéresser aussi des gens de votre entourage, parce que je sais que c'est quand même la maladie du siècle, hein. Je pense que tout le monde connaît quelqu'un de malade de cette maladie. Donc voilà, c'était juste pour vous signaler cette plante. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.